Yo les gars, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo. Je tourne après le live Invocation Juzo pour ceux qui étaient là, pour ceux qui ont attendu avec moi pendant le live. Voilà, c'était pas mal, voilà, on a attendu et puis on a invoqué pendant le live. Donc voilà, déjà d'avance, les gars, logiquement, c'est pas script pour Juzo. Chose à savoir, c'est un portail à pitié à 20. Donc c'est plus simple pour aller pitié Juzo. Donc c'est vrai que c'est tentant d'aller chercher des doublons. Pour tous ceux qui vont invoquer comme moi, si vous voulez invoquer et chercher un doublon, c'est comme Kaneki, il faut seulement avoir un doublon. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, les meilleurs passifs de Juzo, c'est celui-là de base et celui-là à une étoile. Disons que le doublon à deux étoiles et trois étoiles, c'est secondaire. Et le quatrième, il est OP. C'est vraiment intéressant. Et du coup, ça vaut que le coup d'invoquer pour aller chercher un doublon. Voilà, par exemple, moi sur le live invocation que j'ai fait, je vais simplement aller chercher, je vais terminer la pitié à 200 pour chercher le doublon qui me manque et tout simplement un pré-pack et ne plus invoquer. Parce qu'il faut prendre en compte que les gars, c'est pas un personnage limited. Donc logiquement, ce personnage-là que vous voyez à l'écran, donc Juzo, sera disponible dans les bannières prochaines. Donc peut-être si prochain, imaginons que c'est Uta. Dans la bannière, on va retrouver Juzo dans la bannière de Uta. Donc, vous pouvez skip ou sinon claquer 2-3 multis seulement pour choper Juzo en un exemplaire. Mais sinon, n'oubliez pas qu'il sera dans les prochaines bannières. Donc, aussi, n'oubliez pas, vous avez des tickets, un ticket gratuit à récup ici. Voilà, offert. Donc, pendant quelques jours, 4 jours à peu près. Vous avez. Dans le shop, vous avez des tickets à récup ici. Donc, vous avez une seule multi, donc à récup, c'est dommage. Vous avez des tickets à récup ici dans le gacha. Malheureusement, bah, il faudra attendre sur le long terme parce que bah, il faut farm ça. Donc, un event de merde, honnêtement. Voilà. Puis voilà, grosso modo, pour les tickets. Et puis voilà. Donc, on va invoquer. Et puis voilà. Donc, je compte sur vous, les gars. Explosez la vidéo, maximum pouce bleu, de commentaires. Dites-moi si vous avez invoqué ou pas. Je donne franchement ma chance, j'espère que vous allez dropper pour ceux qu'on a invoqué. Et voilà. N'hésitez pas à check la rediffusion du live qu'on a fait pour Juzo. Et voilà. C'est parti, on invoque. Réduction. Donc j'ai très peu de diamants, c'est normal. First multi? Si on first multi, c'est incroyable. On va voir. Parce que là, en fait, j'ai très peu de diamants, du coup, vu que j'avais que tu as pull sur Kaneki. Donc, si je force multi, c'est légendaire. Cette vidéo est légendaire. C'est légendaire si jamais je pull. On va voir. Par contre, les gars, je vous jure, si je drop Juzo, je vous invite vraiment à exploser la barre des pouces bleus. Honnêtement, ça serait légendaire. Allez, on va voir. Moment de vérité. Pas encore. Pas encore. Bientôt. Oui! Let's go! Putain, je peux pas gueuler! Je peux pas gueuler, les gars! On a first multi! Oh là 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 là! Oh la first multi, les gars! Oh, c'est une dinguerie! Oh, c'est une dinguerie! Je peux pas gueuler, les gars! Je peux pas gueuler! Je suis crevé, je suis explosé! Je suis crevé! J'ai le dos niqué, explosé! Il est 4h du matin, les gars! Presque 5h! Et je viens de first multi Juzo sur mon gros compte global! Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Bah écoutez, bah, la vidéo très courte. Hein. Bah, moi, ce que je propose, c'est que de toute façon, il va falloir que j'aille peut-être chercher un doublon sur ce compte. Je compte le faire. Mais je compte éventuellement pas faire la suite tout de suite. Je compte peut-être le faire dans une prochaine vidéo ou en live invoqué. Donc, c'est pour ça que je vais m'arrêter là. J'ai droppé, donc tant mieux. Comme ça, j'aurai le temps de pack les tickets en même temps, plus les diamants. Et milieu de semaine, à peu près, on refera peut-être une vidéo, une P2, ou on invoquera en live. On verra ça. Mais pour l'instant, je m'arrête là. Du coup, j'ai droppé, pas besoin de repool. Du coup, voilà. Et logiquement, vous pouvez voir, bon, ça spoil un peu, mais mon deuxième compte est troisième. J'ai droppé. Et là, tu vois, je suis du coup neuvième. Donc, j'ai plus qu'à level up le perso. Et voilà. Donc si vous voulez une vidéo sur test du personnage, tout ça, secteur, n'hésitez pas. Ensuite, le personnage va être vraiment utile pour du contenu, tout ce qui va être besoin de AOE, DPS. Et il a en plus Juzo un petit peu la mécanique de Toka.
Ce qui fait que logiquement, s'il tue un personnage, il devrait re-attaquer par derrière. Voilà, tout simplement. Mais il me semble que pour avoir ce passif-là, il faut débloquer le doublon. Avec la morgue. Ouais. Il me semble que c'est celui-là ou c'est le premier. Mais en gros, si jamais logiquement il tue un personnage, il devrait re-attaquer par derrière. Grosso modo, il me semble. Voilà. Donc, bref. Monstrueux. Donc, c'est tout. Je ne m'attendais pas que ce que la vidéo soit très courte, mais écoutez, c'est comme ça. J'en profite, tant qu'à faire. On a le boss de guild qui est débloqué. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre la guild. Voilà. Vous pouvez voir, c'est actif, ça fait pas mal des points. Donc, ceux-là, je les garde. N'hésitez pas à rejoindre la guild principale, Akatsuki. Et toutes les personnes qui contribuent, etc., je les garde. Donc, tu peux voir, ça contribue. Lui, par exemple, ça fait un jour, il est déco. Hop, je vire. Il contribue pas, il a pas fait énormément de points non plus. Ça sert à rien du tout. Le reste, ça fait des points et tout. Pour l'instant, je laisse. Voilà, je vais pas faire non plus rat. Mais voilà, tout le monde a contribué, a fait pas mal de points. C'est déjà ça, c'est minimum. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Il reste 4 places. Pareil pour Akatsuki 2.0. Il reste de la place, n'hésitez pas à rejoindre. Du coup, voilà, n'hésitez pas. Donc faites le café de temps en temps. Hein, très important. Et le boss de guild, c'est de faire le maximum de points à chaque fois. Retenter dans la semaine. Essayer de refaire un max de points à chaque fois. Très important, et grâce à ça, grâce à vous, grâce à nous tous, on peut continuer de tenir tête au classement et peut-être aller chercher le top 3. Voilà, ça serait vraiment pas mal. En plus, on n'est pas si loin que ça. Donc voilà, et voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, voilà les gars, et surtout pensez à bien faire le nouveau boss de guild qui va être très 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 important pour avoir les récompenses là pour le potentiel. Et surtout, attendez, surtout. Pour monter le niveau de points au maximum, pour chercher le max de récompenses. Regardez. J'en ai fait une vidéo sur la chaîne sur le boss de guild. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et on peut voir 1000 diamants plus tard. Donc c'est énorme. Donc voilà. Donc je vais faire tout ça. Bref, c'est une folie. Donc c'est tout. Je suis désolé si je suis un peu voilà dans le flou. Je suis crevé les gars. Je voulais au moins vous faire cette vidéo. Et j'ai bien fait. La luck est avec moi. Donc je rends la luck, j'espère que vous allez dropper. Et je repoulerai sans doute en live ou en vidéo. Et puis voilà les gars, prenez soin de vous, c'était Monsieur Phoenix, on se dit à la prochaine. Et désolé que la vidéo soit courte, mais c'était pas prévu. Allez, on se dit à la prochaine. Bye bye.